Alors, j'étais un peu perplexe lorsque on m'a proposé donc d'intervenir. Je me suis dit, bon, alors, est-ce que je vais faire un parcours rasant, vraiment embêtant, surtout bon, après le copieux de menu que nous avons eu aujourd'hui, bon, avec un parcours historique, panoramique, les différentes positions philosophiques, l'importance de connaître les référents philosophiques des théologiens, bon, c'est abominablement fatigant. Alors, mais c'est nécessaire, hein, bon, mais enfin, c'est très très fatigant, j'ai trouvé que ce n'était pas le moment. Alors, je me suis dit peut-être que c'était assez intéressant de prendre le problème aux limites. Alors, je m'inspire évidemment un peu du pape François quand même, hein. On va aux périphéries, puis on va voir ce qui se passe. Et je pense que j'embraye assez bien sur la fameuse citation sur laquelle nous sommes restés. Là où la raison ne voit plus, c'est l'amour qui voit. On ne revient pas sur les discussions, si on voit ou on voit pas. Enfin bon. Mais c'est exactement la ligne dans laquelle je voudrais me situer. Alors d'abord, je voudrais poser une chose toute simple en introduction, c'est que ça ne va pas de soi d'être saint philosophe, figurez-vous. Alors, vous allez me dire, bon, enfin, quand même, on en a une liste impressionnante, on vient d'évoquer, bien entendu, Bonaventure, Thomas, bien sûr, Augustin, Justin, ben Scott, Rosmini, et bien d'autres, qui sont tous reconnus par l'Église. Je parle de ça, reconnus, estampillés, etc. Bien. Ben oui. Mais ne sont-ils pas saints pour autre chose que leur œuvre philosophique? C'est souvent ce qui est mis en avant, et parfois d'ailleurs de manière un peu inconsidérée. Mais le philosophe, il cherche une certaine forme de sagesse, mais pas forcément la sainteté. Il s'en méfie. Pourquoi ? Parce que le sacré, le religieux, pire, le mythologique, sont soumis par lui, dès le départ, à une épreuve critique qui les décrédibilise en conteste les fondements. Socrate y a perdu la vie. La philosophie ne prétend s'appuyer que sur les seules forces de la raison. Elle entend, ciel, pouvoir rendre raison de tout. Et d'ailleurs, si le philosophe émet quelques réserves ou quelques limites, on s'en émeut. Kant a été souvent très mal compris d'un côté comme de l'autre. Si un philosophe, au contraire, concède une compatibilité entre la raison et la foi, on est aussitôt prêt à le rejeter, à le soupçonner d'apologétique déguisée, de trahison à la rationalité comme à l'esprit laïque, Blondel, mais aussi Lévinas, alors, pas un chrétien, mais c'est un philosophe juif, en ont su quelque chose et en ont épouvantablement pâti. Pire encore, les philosophes reconnus officiellement comme saints sont frappés de suspicion, comme si leur sainteté avait annihilé la force et la rigueur de leur effort rationnel. Ainsi, Edith Stein, c'est malheureusement ce que je vais vous dire, est réel, fut moins étudié à l'université laïque, pas seulement en France, hein, mais aussi en partie en Allemagne, dès lors que sa sainteté fut reconnue, hélas. Il a fallu une entreprise considérable d'un Étienne Gilson pour soutenir la recherche subtile d'un Thomas d'Aquin ou d'un Bonaventure, pour défendre la place qui devait, et devrait encore aujourd'hui, c'est pas gagné, le revenir à l'université. Laïque, bien sûr, je parle de... On va dire de la Sorbonne pour aller vite. À l'époque moderne et contemporaine, la philosophie de surcroît est devenue principalement une activité théorique. On étudie les idées des philosophes, on clarifie, on analyse les questions philosophiques, on argumente. Mais la philosophie, si elle est quête d'un savoir, d'un savoir-faire, oui, bien sûr, ça s'apprend, elle est aussi, comme déjà dans l'Antiquité, une manière de vivre. Il recherche donc d'un savoir-être. Le discours philosophique ne peut pas être séparé d'un certain mode de vie. Il ne s'agit pas de mettre de côté la valeur incontournable du discours philosophique, mais d'insister sur le fait que celui-ci s'inscrit toujours, toujours, hein, il n'y a pas d'exception, dans un choix existentiel, une expérience vécue, visant à produire un effet de formation. Ainsi, dans le dialogue socratique, la vraie question qui est en jeu est moins, ou du moins autant bien sûr, ce dont on parle que celui qui parle. Peut-on d'ailleurs séparer le discours de Socrate de la vie et la mort de Socrate? Le destin de toute philosophie qui prend au sérieux son effort est sinon tragique, c'est arrivé, du moins dramatique, comme on va dire Blondel, car il engage toujours l'action.
l'action avec les autres comme l'action sur soi, dans le déchirement du désir de sagesse qui toujours échappe, mais qu'il s'agit d'aimer. Différentes écoles philosophiques feront leur apparition après la mort de Socrate, pour lesquelles le discours philosophique est toujours indissociable d'une vie philosophique. Et une des caractéristiques de ces écoles est aussi la présence d'exercices que Pierre Hadot en est venu à désigner comme des exercices spirituels, c'est-à-dire une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi, un progrès vers le bien. On retrouve ce qu'on a évoqué ce matin différemment. À ce titre, pourquoi ne pas dire que la philosophie puisse témoigner, en lien avec la foi bien sûr, d'un itinéraire de sainteté? Alors, comment on va s'y prendre? Trois portraits. J'ai pris trois portraits. Puis la quatrième en conclusion, qui bien entendu va être mondaine. Mais trois portraits. Et des portraits un peu paradoxaux. J'espère que vous me pardonnerez ce petit côté un peu provocateur. Pavie est une très très jolie ville de Lombardie, figurez-vous. Longtemps rivale de Milan, elle fut très tôt loyale à l'empereur et eut dès le XIVe siècle un très grand rayonnement intellectuel et artistique. Les Français pensent parfois à elle avec un peu d'amertume, parce que vous savez que c'est là que le roi François Ier y fut vaincu par Charles Quint et fait prisonnier en 1525. La chartreuse au nord de la ville est particulièrement remarquable, mais ça n'est pas vers la chartreuse que nous allons nous tourner, non. Mais plutôt vers la basilique San Pietro in Ciel d'Oro. Ce très ancien sanctuaire accueille depuis le 7e siècle les reliques de deux saints. L'un que nous connaissons bien, Saint Augustin, mais que nous nous délaisserons, qu'il nous pardonne, et nous tournerons notre regard vers l'autre, témoin des derniers feux de l'Empire romain, moins connu, Boèce. 480-524, pour que vous ayez un petit repère. On peut à bon droit soutenir que les confessions d'Augustin et la consolation de la philosophie de Boèce, donc vers 524, sont les deux derniers chefs-d'œuvre littéraires de l'Antiquité latine et deux des plus importantes pierres des fondations de la pensée médiévale. C'est par Boèce que furent transmis les premiers traités de logique d'Aristote, et c'est lui qui va créer une langue latine philosophique précise. Je vous signale qu'il avait de nombreux dons et qu'il a écrit un traité de musicologie très intéressant qui sera l'objet de discussions ultérieures. En 500, ce grand dignitaire romain qu'est Boèce est sénateur. En 510, il est nommé consul. Ministre de Théodoric, roi des Ostrogoths, ciel à Rome. Et en 522, il est maître des offices. Donc c'est un haut politique, très haut responsable politique. Son intégrité est soulignée par de très nombreux contemporains et de très nombreux écrivains ultérieurs. En 523, il est envoyé en exil et il va être exécuté en 524 sur ordre de Théodoric. Souvent, le responsable politique varie, virgule. Quelques siècles après sa mort, cet homme politique de haute lignée fut reconnu comme martyr. Ah, Boèce est très vite considéré comme un penseur chrétien et comme une autorité par les intellectuels, mais, il y a un mais, la hiérarchie religieuse et certains chercheurs demeurent très réservés. Bizarrement, ce sont les jésuites, je ne vais pas rentrer là-dedans, excusez-moi, qui en feront officiellement un martyr, on va évoquer rapidement ça, et un culte local dédié à Boèce sera reconnu par le pape Léon XIII, donc extrêmement tardif, hein, en 1883. Pourquoi évoquer le nom de Boèce, dont Dante, dans les Conviviaux, le banquet, dit qu'il l'a instruit avec Cicéron dans l'étude de cette noble dame qu'est la philosophie. Ah. La consolation de la philosophie, que je citais tout à l'heure, est son dernier ouvrage, son testament intellectuel. Écrit en alternance de vers et de prose, cette œuvre appartient, comme son titre l'indique, au genre de la consolation, illustré par exemple par Sénèque. Boèce cherche à se démontrer à lui-même que les coups du sort n'atteignent pas la véritable félicité d'ordre philosophique. Le texte qui traite de l'ordre du monde, de la fortune, de la providence, on ne vais pas insister, fait grand usage de l'allégorie, mais dans un cadre tout à fait particulier, qui est celui d'un combat spirituel. La tradition veut que ces pages, déroutantes quand on les découvre ou on les redécouvre, auraient été écrites en prison, alors que Boèce, qui venait déjà d'être torturé, attendait son exécution. Ça n'est pas inutile de le rappeler.
En pleurs, le philosophe se lamente, puis survient Dame Philosophie qui proclame sa fidélité à tous ceux qui se sont voués à elle. Le penseur y entrevoit le bonheur, et réconforté, y affirme sa totale confiance en Dieu. La philosophie serait donc capable de consoler ceux qui peinent, et ceux qui s'y adonnent sont aussi à leur tour capables de faire œuvre d'amour en transmettant le message divin. La consolation de la philosophie, bien que exclusivement philosophique, ne présente aucune discordance positive avec le christianisme, même si elle développe des thèmes stoïco-platoniciens. Il est sans doute surprenant pour nous de voir ce chrétien, ce profond chrétien, au moment de mourir, passer du fait des honneurs à l'extrême misère, chercher de consolation dans la philosophie et non pas directement dans sa foi. C'est là le paradoxe, mais vous allez voir. Si son martyre permet de considérer peut-être que Boèce est en effet un saint, il ne l'est pas moins, sans doute, dans cette manière qu'il a de consacrer jusqu'à la limite de ses forces à Dame Philosophie, qui lui ouvre le royaume de l'amour, donc de se consacrer à Dame Philosophie. Le titre « Consolation de la philosophie » peut être compris de deux manières. D'une part, la philosophie console en effet le malheureux, souffrant et torturé, mais elle est aussi d'autre part consolée par l'entrevision, au terme de sa quête, d'un royaume au seuil duquel elle se tient. Le refus classique des auteurs antiques des consolations religieuses n'est pas étranger au texte, d'où son paradoxe. Mais il s'accompagne d'un acquiescement rationnel à une espérance qui conforte le philosophe dans sa vocation. Le vrai bonheur n'est ni la volupté, ni la richesse, ni le pouvoir, que Boèce a partagé, mais c'est Dieu lui-même, dans le dessein mystérieux duquel il s'agit d'entrer, tout en témoignant jusqu'au bout. Alcuin, au IXe siècle, et Abélard, trois siècles plus tard, le liront totalement dans le sens moral et spirituel, et ils insisteront sur l'ascèse nécessaire à tout philosophe, propédeutique à la sagesse biblique. Ils feront donc de Boèce et de son œuvre, y compris la consolation, une lecture délibérément chrétienne. C'est dans la charité et l'humilité de l'intelligence que meurt Boèce, philosophe fidèle à sa vocation, homme et penseur debout devant Dieu, traversé de la générosité même de l'amour, au cœur de son tourment et de ses blessures. Premier portrait. Deuxième portrait, nous allons retrouver quelqu'un qu'on a évoqué tout à l'heure. Il ne fallait pas moins que l'audace d'un pape jésuite en 2017 pour proposer qu'on puisse ouvrir la cause en béatification d'un Blaise Pascal. Je cite « Je pense qu'il mérite la béatification. J'envisage de demander la procédure nécessaire et l'avis des organes du Vatican chargés de ces questions en faisant part de ma conviction personnelle positive. » La vie de Pascal, très brève, je rappelle ces dates qui étaient évoquées tout à l'heure, 1623-1662, il aura 39 ans, est traversée dès son jeune âge d'un profond amour de la vérité. Dès son enfance, il s'adonne aux mathématiques et échange directement avec les savants de son époque. Très marqué par Descartes, opposé comme lui aux excès d'un aristotélisme scolastique décadent, il n'avait pas hésité à le consulter pour mettre au point la fameuse expérience dite du Puy du Dôme contre la fameuse expression d'Aristote « la nature a horreur du vide », non, le vide peut bien exister, et d'autre part, il y a bel et bien une pesanteur. Et la rigueur mathématique et l'effort philosophique, non seulement ne lui étaient pas inconnus, mais ils lui étaient essentiels. Pascal est un chrétien qui s'inscrit dans une veine intellectuelle qui recherche le sens de l'Évangile dans les textes et non dans le dogme. On sait que Pascal avait aussi grand intérêt pour la lecture de la Bible, les pensées en sont absolument émaillées, et qu'il a participé à la traduction de Louis-Isaac Lemestre de Sacy. Il porte en lui l'effort de penser la foi, un effort d'intelligence de la foi donne à penser, comme dira beaucoup plus tard Paul Ricoeur. Lors de la publication des Provinciales en 1657, donc 7 ans avant la fameuse nuit de feu, Blaise Pascal déclenche une polémique en critiquant vigoureusement les jésuites. Et longtemps, cette œuvre a été l'objet de tensions. La sœur de Pascal, Jacqueline, à laquelle il faudrait dire bien des choses, entra à Port-Royal
Et cette décision qu'il vécut comme un déchirement, il était extrêmement lié à sa sœur, eut sur lui une grande influence. On discute encore aujourd'hui pour savoir si Pascal fut ou non janséniste. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que la foi occupe chez lui la première place. Il a une vie chrétienne très intense. Et donc, pour un croyant, encore plus pour un croyant philosophe, son œuvre ne peut laisser indifférent. C'est peut-être la thématique de la pauvreté qui a séduit le pape François dans la vie de Pascal. Durant toute sa vie, Pascal s'est consacré aux plus démunis. En 1662, à la veille de sa mort, il crée une entreprise de carrosses à 5 sols, la première expérience de transport en commun urbain dont les bénéfices devaient être destinés aux pauvres. Le tracé de cette ligne suit très plus exactement servir, mais suit, si vous voulez, l'actuelle ligne 1 du métro de Paris. C'est pas un hasard du tout. Bien. La vie de Pascal, donc, si on l'observe de près, va d'une conversion à une autre. Et celle qui est la plus connue, celle que nous avons évoquée ce matin, celle du 23 novembre 1654, n'est pas l'ultime. Au moment de mourir, il ne cesse de demander si le roi a approuvé son projet de carrosse. Mais surtout, il est touché par une charité qu'il ne peut vivre qu'en excès. C'est au cœur de sa profession de foi. J'aime la pauvreté parce que il, Jésus-Christ, l'a aimé. Alors qu'il est déjà très faible, pour des tas de raisons, il offre l'hospitalité à une famille pauvre et malade. Ceci précipitera sa fin, il en est parfaitement conscient. Pour Pascal, comme on le sait, il faut s'opposer aux philosophes qui ont Dieu sans Jésus-Christ. À tout prendre, vous le savez aussi, pour Pascal, Descartes n'est qu'inutile et incertain, la philosophie ne mérite pas une heure de peine, et il est vrai que la vraie philosophie se moque de la philosophie. Tout ça, vous le savez. Pourtant, c'est en philosophe qu'il fait ce constat des abusés. Faites très attention à ça. Et c'est en philosophe, contre toute évidence, qu'il transcrit le texte que nous avons lu ce matin, celui du mémorial, sa nuit de feu. On pourrait en faire une analyse philosophique, en faisant très attention à ne rien détruire de ce texte absolument majeur et extraordinaire. Face à un rationalisme chrétien très répandu à son époque, et en un mouvement exactement inverse à celui de Boèce, c'est ça qui m'a intéressée, Pascal reste fasciné par la radicalité janséniste, inséparable d'une vision tragique de l'existence et du salut, qu'il expérimente pour lui-même et particulièrement dans sa propre chair. Pour lui, il s'agit de vivre l'expérience limite de la philosophie, confronté à l'impossible, au dérisoire, au contradictoire, à la perte de sens. L'homme, dans l'usage de sa raison, ne peut pas ne pas se poser des questions auxquelles il n'obtiendra finalement peut-être pas de réponse. Il y a là comme une béance de la pensée, face à la dépossession que révèle ce qu'il appelle la misère de la condition humaine. C'est la signification de l'essai d'une apologie de la religion chrétienne qu'il n'écrira finalement jamais et dont il ne reste, comme on sait, que des fragments, ce seront les pensées. Mais jusqu'au bout de ses forces, comme Boèce, mais tout à fait autrement, presque en sens inverse, encore une fois, Pascal demeure philosophe et même parfois esprit assez systématique et très abrupt. Jusqu'au bout, il se bat, continue ses travaux mathématiques et physiques, et jusqu'au bout, en pensant aux plus pauvres, il tente d'améliorer leurs conditions. Et si l'on s'étonne de ce qu'il joue un moment avec ironie, ça, il faudrait raconter ça, c'est presque un feuilleton télé, si vous voulez, bien mis en scène. Hein. Il joue au chat et la souris avec la police du roi. Il y a un épisode extraordinaire où il reçoit le chef de la police du roi chez lui, et le chef de la police dit « Mais si seulement je mettais la main sur cette imprimante, si vous voulez, cette méthode, cette presse, qui imprime les libelles des provinciales. » Et le brave responsable de la police du roi ne sait pas qu'il a les pieds dessus. C'est-à-dire que la presse se trouve exactement sous ses pieds dans le sous-sol de chez Pascal. Bon, voilà, donc il y a un jeu un peu avec ça. Donc, il joue effectivement avec cela. Mais attention, il ne parvient, ce cher Pascal, ni à se passer du monde, ni à s'en accommoder. Vous voyez, une espèce de position assez particulière. Ce constat et cette position sont proprement philosophiques. C'est au cœur de ce dilemme que se joue son abandon à la grâce, c'est-à-dire à l'excès de l'amour.
Chez lui, on constate une totale cohérence de la vie et de la pensée, comme si l'œuvre s'accomplissait dans la vie même, dans ce savoir-être, savoir d'un non-savoir, coïncidence des contraires, si on veut reprendre la vieille formule célèbre de Nicolas de Cuse, mais intensément vécu jusqu'à l'offrande de soi. Ce personnage attachant, souvent irritant, s'engage sur un véritable itinéraire de sainteté. Comme philosophe, j'y tiens beaucoup, modèle ardent et paradoxal de vie chrétienne. Dieu est pour lui plus sensible au cœur qu'à la raison, c'est pas si clair que ça en a l'air cette formule, hein. Mais c'est parce que la raison elle-même a conduit ce chrétien tourmenté jusqu'au bord de l'abîme. Ses conversions successives, les analystes en comptent au moins trois, 1646, 1654, 1661, ces conversions donc se concentrent dans l'expérience que l'on a évoquée ce matin, celle de la nuit du feu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, joie, pleurs de joie. C'était mon deuxième portrait. Troisième portrait. Je cite. Je n'aime pas la manière dont les chrétiens ont pris l'habitude de parler de la sainteté. Ils en parlent comme un banquier, un ingénieur, un général cultivé par le rêve du génie poétique, une belle chose dont ils se savent privés, qu'ils aiment et admirent, mais qu'ils ne songeraient pas un instant à se reprocher de ne pas posséder. De qui est cette invective? De la philosophe Simone Weil dans une lettre à la veille de sa mort à Maurice Schumann. Qu'eût-elle dit si elle avait vu qu'on... qu'il avait su qu'on évoquerait à son propos un itinéraire de sainteté. Pourtant, la vie de Simone Weil, dont la jeunesse, tendue entre mathématiques et philosophie, liberté et insoumission, ressemble à bien des écarts à celle de Blaise Pascal, et tend à rejoindre l'extrême tension d'une pensée profondément logique, acculée à l'engagement chrétien, devant lequel elle se cabra d'abord, tout en s'y abandonnant d'une certaine manière. Justice et vérité, passion politique et sociale sont inséparables pour elle de sa quête de Dieu. Pour elle, comme pour Pascal, il est question d'un dépassement parfaitement conscient d'une sagesse héroïque et purement rationnelle pour s'orienter, non sans suspension de jugement et doute méthodique, par la voie hellénique, c'est comme ça qu'elle l'appelle, vers l'Évangile et le Christ. Pour elle, il y a coupure, entre le bien et la nécessité, entre Dieu et le monde, le couronnement du bien et le désir. C'est pourquoi elle privilégie l'attention au réel, car l'attention, comme chez plusieurs philosophes classiques, comme Malebranche, est l'aboutissement de sa méthode et lui permet d'entrer en pensée comme on entre en religion. Il ne s'agit pas seulement d'attente de la vérité, mais de la première forme de l'attente de Dieu qui réclame obéissance. Même si elle se fait lectrice assidue de la Bible, mais très 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 peu de l'Ancien Testament, hélas, la vérité recherchée n'est pas au sens strict révélée. Elle est, en effet, Simone Weil est contre tout dogmatisme, et elle ne veut reconnaître que ce qui tient ensemble, le malheur des hommes et la perfection de Dieu, et le lien entre les deux. Or, ce malheur, qui la tourne vers les plus pauvres, et pour lequel elle s'est battue, au sens propre du terme, vous connaissez peut-être, certains connaissent son engagement au moment de la guerre d'Espagne, même si elle n'a jamais tiré un coup de feu de sa vie, mais elle a été dans les forces combattantes. Elle a intensément compris et vécu. Tout chez elle est réel vécu, refus de toute consolation religieuse au sens habituel du terme, exigence d'austérité qui parfois confine à un certain dolorisme. Tout cependant la renvoie à cette forme de simplicité qu'incarne l'attention. Rien de sentimental chez elle, mais tout incite à l'analyse et à la réflexion. Dans le malheur, point aveugle de la philosophie et objet de scandale pour le croyant, l'homme est confronté à la misère, à la violence de la force et la déchéance de son existence. Il ne compte plus pour rien, que pour rien. Il est dépouillé de son humanité, etché au monde. Mais pour voir le malheur, il faut consentir à se fondre dans le réel, à se faire soi-même invisible, à se faire malheur soi-même. Ce que Simone Weil, qui a vécu aussi
peu de temps que Pascal, elle meurt à 39 ans, l'a voulu pour elle-même. Cette expérience aux confins de l'absurde et de la mort n'est que l'envers d'une exigence rationnelle, comme d'une expérience mystique qu'elle consentit peu à peu à évoquer, où la vérité se dégage d'elle-même, afin que Dieu soit tout, attention, dans la présence et dans l'absence. Alors là, je vais vous lire quand même, parce que c'est tellement exceptionnel et beau, elle raconte cette expérience mystique, alors c'est édité au début de La connaissance surnaturelle, donc je vais vous le lire, ce n'est pas très très long, mais ça fait 2000 pages. « Il entra dans ma chambre et me dit, misérable, qui ne comprend rien, qui ne sait rien, viens avec moi, je t'enseignerai les choses dont tu ne te doutes pas. » Je le suivis. Il m'emmena dans une église, elle était neuve et laide. Il me conduisit en face de l'autel et me dit « Agenouille-toi ». Je lui dis « Je n'ai pas été baptisée ». Il dit « Tombe à genoux devant ce lieu avec amour, comme devant le lieu où existe la vérité ». J'obéis. Il me fit sortir et monter jusqu'à une mansarde où on voyait par la fenêtre ouverte toute la ville, quelques échafaudages de bois, le fleuve où l'on déchargeait les bateaux. Il me fit asseoir. Nous étions seuls. Il parla. Parfois, quelqu'un entrait, se mêlait à la conversation, puis partait. Ce n'était plus l'hiver. Ce n'était pas encore le printemps. Les branches des arbres étaient nues, sans bourgeons, dans un air froid et plein de soleil. La lumière montait, resplendissait, diminuait. Puis les étoiles et la lune entraient par la fenêtre, puis de nouveau, l'aurore montait. Parfois, il se taisait, tirait d'un placard un pain, et nous le partagions. Ce pain avait vraiment le goût du pain. Je n'ai jamais pu retrouver ce goût. Il me versait et se versait du vin qui avait le goût du soleil et de la terre où était bâtie cette cité. Parfois, nous nous étendions sur le plancher de la mansarde et la douceur du sommeil descendait sur moi. Puis, je me réveillais et je buvais la lumière du soleil. Il m'avait promis un enseignement, mais il ne m'enseigna rien. Nous causions de toutes sortes de choses à bâtons rompus, comme font de vieux amis. Un jour, il me dit « Maintenant, va-t'en ». Je tombai à genoux, j'embrassai ses jambes, je le suppliais de ne pas me chasser, mais il me jeta dans l'escalier sans rien savoir, le cœur comme en morceaux. Je marchais dans les rues, puis je m'aperçus que je ne savais pas du tout où se trouvait cette maison. Je n'ai jamais essayé de la retrouver. Je comprenais qu'il était venu me chercher par erreur. Ma place n'est pas dans cette mansarde. Elle est n'importe où. Dans un cachot de prison. Dans un de ces salons bourgeois pleins de bibelots et de peluches rouges. Dans une salle d'attente de gare. N'importe où. Mais pas dans cette mansarde. Je ne peux pas m'empêcher quelquefois avec crainte et remords de me répéter un peu de ce qu'il m'a dit. Comment savoir si je me rappelle exactement? Il n'est pas là pour me le dire. Je sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il m'aimer? Et pourtant, au fond de moi quelque chose, un point de moi-même, ne peut pas s'empêcher de penser en tremblant de peur que, peut-être, malgré tout, il m'aime. Voilà. Frappée par la transcendance de Dieu, Simone Veil hésite à prier. Elle voit dans la prière le risque d'un acte répété et mécanique dont le pouvoir de suggestion peut être nocif. L'habitude dans la pratique, pourtant vantée par Pascal, elle nourrit vis-à-vis de Pascal des sentiments extrêmement contraires, hein, bon, et ambivalents, ça lui paraît néfaste. Mais alors qu'elle résiste et qu'elle déploie tous les ressorts logiques d'un rationalisme auquel elle ne renonce jamais, jamais, elle se met à traduire le pater. Je vous signale qu'il y a une petite édition qui vient d'en être de ressortir récemment, avec seulement le texte de Simone Veil, le commentaire du pater. Et comme en témoignera plus tard Gustave Thibon, elle le récite régulièrement par cœur, comme malgré elle, elle consent à y pressentir, je cite, « le Christ présent en personne ». Le nom de Dieu ne peut qu'être la sainteté même. Désirer sa sanctification revient à désirer ce qui est de toute éternité. Désir et acceptation se confondent pour cette philosophe imprégnée fortement de stoïcisme et de platonisme et font basculer le désir dans l'éternité. D'où, progressivement, pour Simone Veil, la volonté profonde que l'avenir soit accompli conformément à la volonté de Dieu. Ça c'est remarquable.
Or, nous ne pouvons connaître sa volonté, la volonté de Dieu, que par les événements qui ont eu lieu. C'est donc une demande d'accomplissement, non pour soi, mais pour Dieu et en Dieu. Et le signe d'un abandon en toute confiance, y compris le risque même d'être abandonné. Tout ce que je suis en train de vous dire est fondé logiquement. Faites très attention. Ce n'est pas seulement comme ça, des affirmations qu'on enfile comme des perles. Bon. La rigueur philosophique impose pour Simone de Veil une confirmation existentielle. Elle vit un combat spirituel, mais argumente sans cesse. Et les pères couturiers et périns religieux dominicains en ont été les témoins déconcertés. Le père couturier qui ne sait pas quoi lui répondre, il n'y aura pas de réponse à la lettre à un religieux, le père périn la prendra en charge pendant de nombreux mois. Et il y a un dialogue exceptionnel entre le père périn et Simone Veil. Le terme saint, dans l'acception veillienne la plus caractéristique, désigne le groupe de ceux qui ont leur attention et leur amour tourné vers le bien qui se trouve, pour elle, hors du monde. Si un homme désire sincèrement ce bien transcendant, tôt ou tard, il descend sur lui du bien qui, à travers lui, rayonne autour de lui, dit-elle. D'ailleurs, dans la même lettre à Maurice Schumann que je citais au début, Simone Veil affirme en effet que la sainteté est, en somme, pour un chrétien, le minimum. N'a-t-elle pas dans sa chair, comme Pascal, mais différemment de lui, vécu ce qui était pour elle, en toute rigueur philosophique, la première vertu d'un saint, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité totale, dit-elle, c'est le consentement à la mort qui fait de nous du néant inerte. Les saints sont ceux qui, encore vivants, ont réellement consenti à la mort. En grec, Simone Veil ajoute « Tuto dos emoi curie, donne-moi cela, Seigneur ». Quelques semaines avant sa mort, Simone Veil, réfugiée à Londres auprès de la France libre, tente de faire approuver par le général de Gaulle un projet qui lui tient à cœur. Elle tente de créer et de mener à bien une formation d'infirmières volontaires dont la tâche serait de faire du first aid en pleine bataille, aussi bien pour les amis que pour les ennemis, agissant directement sous le feu ennemi évidemment, pour soigner les blessés avant l'arrivée des brancardiers réguliers. Les pertes parmi les infirmières seraient très lourdes, elle l'envisage. Mais elle note qu'il n'y a aucune raison de regarder la vie d'une femme comme plus précieuse que la vie d'un homme, à plus forte raison si elle accepte le risque de la mort. Elle souhaitait être l'une des premières envoyées sur le front, son extrême faiblesse le lui interdit. Pour Simone Veil, la sainteté se fonde sur un consentement fondé en raison à la mort qui ne reste pas au niveau verbal, mais se traduit en acte. Elle est un acte de communication, de générosité, une folie d'amour, mais toujours fondée en logique. Le rôle du saint, selon Simone Veil, c'est de rendre contagieuse sa propre condition spirituelle par la fidélité à l'exigence rationnelle, se déployant en une sorte de phénoménologie du désir, et un contact qui passe non seulement par la pensée, mais toujours par les actes et par le corps. Aujourd'hui, dit-elle, il faut que la sainteté, que le moment présent exige, soit une véritable invention. Je cite, « Je crois que c'est la première demande à faire maintenant, une demande à faire tous les jours, à toute heure, comme un enfant affamé demande du pain. Le monde a besoin de saints, qui est du génie, comme une ville où il y a la peste, a besoin de médecins. » Bon, alors vous allez me dire, d'accord, et Blondel dans tout ça. Il arrive. En effet, il est bien sûr la quatrième figure de sainteté que je voudrais évoquer ici, dans la continuité surprenante avec les trois autres. L'encyclique du pape François, Gaudete Exultate, publiée en 2018, a replacé en pleine lumière l'appel à la sainteté qui est adressé dès le Premier Testament au peuple de l'Alliance, en Genèse 17.1, et bien sûr ensuite à travers l'Évangile, à chaque chrétien quel qu'il soit. Le croyant ne peut se contenter d'une existence médiocre et sans consistance, sinon il se renie lui-même. Comment aujourd'hui, en 2021, un chrétien philosophe peut-il entendre cet appel au cœur de son travail philosophique? C'est très exactement le sens de la démarche blondelienne, qui, prenant en compte les exigences de la modernité et ceux de la logique rationnelle, et cherchant à répondre à la fois au positivisme scientisme comme à l'effort kantien, cherche dans l'action à relever avec audace les défis de notre mode monde contemporain. Aussi, pour Blondel, comme pour les deux autres,
trois autres que nous avons parlé, les trois autres que nous avons évoqués, la raison doit-elle s'engager en une radicale ascèse, où elle apprend à se déprendre de soi. Ce terme de déprise est blondélien, c'est un concept blondélien, hein, pour entrevoir l'absolu divin qui la soutient et la déploie. C'est ce que nous allons essayer de vous faire susurrer, respirer, flairer à travers les trois portraits que j'ai faits rapidement. Pour Blondel, il y a bien un problème philosophique et existentiel de la sainteté. Mais cela suppose que la sainteté véritable ne puisse se trouver que là où est l'Esprit de Dieu. Il ajoute, c'est-à-dire l'Église invisible, dont l'Église visible n'est que l'organe. Blondel lui-même était un pieux laïc, mais beaucoup plus que cela, un apôtre, à la générosité communicative et comme philosophe, une sorte de saint. Comme chez Boès, Pascal ou Simone Veil, la pensée blondelienne s'enracine dans une âme, une croyance, un combat spirituel, et pour certains, c'est en tout cas le cas de Pascal, de Simone Veil et de Blondel, mystique. Certes, l'expérience est toujours disciplinée par le raisonnement. Chez Blondel, il faut s'atteler, et je vous y invite, à la lecture des carnets intimes, qui impressionnait tant le grand théologien Urs von Balthasar, qui a fait d'ailleurs une préface très consistante à l'édition allemande des carnets intimes de Maurice Blondel. Car si, évidemment, les carnets intimes vous donnent à voir, en quelque sorte, hein, les soubassements, si vous voulez, philosophiques, de ce qui va être la thèse de Blondel sur l'action, il vous donne aussi, là, en direct, si je puis dire, tous les éléments de sa spiritualité entièrement philosophique, mais aussi de la mort d'une mystique. Ce qui signifie que pour Blondel, la philosophie se doit d'être, pour être elle-même, totalement édifiante. Ah oui, je sais, le mot est ringard, mais je l'emploie volontiers et délibérément, dans le sens où le Père Tillet a écrit des articles là-dessus remarquables. Édifiante, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire, d'édifier. Bon. S'il est vrai que le philosophe cherche avidement un universel de charité, la vraie philosophie sanctifie la raison. Elle est une raison sanctifiée. Elle est une raison qui ne cesse de s'alimenter dans le mystère eucharistique. L'Eucharistie est un des centres, le centre même, on va dire, le centre de la pensée blondelienne, qui se déploie, on l'a dit, il n'aimait pas trop le terme, mais enfin il l'a accepté, dans un pan-christisme. Ça a beaucoup gêné la Sorbonne. Ils n'étaient pas contents, autant vous le dire. Bon. Mais il faut comprendre que cette sanctification de la raison fait que la philosophie est d'emblée et par nature catéchuménale. Le chrétien ou celui qui aspire à l'être, c'est le cas de Simone Veil que je ne veux pas baptiser contre son gré, hein, en tant que philosophe, a une vérité urgente à délivrer, une certitude à promouvoir et à vivre. C'est tout à fait fondamental. Au fond, Maurice Blondel s'est employé à penser ce que nous avons à être. Tel est le sens de son effort dès sa thèse « L'action » de 1893, et je justifie mon titre à la fin, je cite Blondel, « La véritable philosophie est la sainteté de la raison. La volonté nous aliène et nous assimile à sa fin. L'entendement nous assimile et nous acquiert son objet. Voilà pourquoi. En nous donnant à Dieu par un dévouement total, nous pouvons le mieux pénétrer par le regard. » Ah, revoilà la vision. « La pureté du détachement intérieur est l'organe de la vision parfaite. On ne peut le voir sans l'avoir, l'avoir sans l'aimer, l'aimer sans lui apporter le mât de tout ce qu'il est, pour ne retrouver en tout que sa seule volonté et sa seule présence. Ce qu'il est, nous voulons qu'il le soit, quoi qu'il nous en coûte, et ainsi qu'il est en soi, il le devient en nous. » Ceci se trouve à la page 442 de l'action de Maurice Blondel. Merci de votre patience.